Donc, bonsoir tout le monde. Hein, ça va bien? Vous savez, je suis très, très ému d'être ici ce soir. Ça fait plusieurs années que j'espérais un jour me présenter et je suis vraiment fier ce soir de vous adresser la parole en tant que nouveau député de Masquinongé. Vous savez, le résultat de ce soir, c'est pas le mien, mais c'est le nôtre ici ensemble. C'est grâce à vous que je peux m'adresser à vous ce soir. Vous savez, vous avez travaillé fort, chacun dans votre coin du comté, au comité, jour et nuit. Je tiens à vous remercier beaucoup et je pense que vous méritez de vous applaudir vous autres même. Je n'aimerais pas tout le monde parce que j'ai peur d'en oublier, mais je vais nommer une personne qui est très importante au niveau de cette campagne-là. Une personne qui m'a laissé sa place, qui m'a laissé avec cœur. Une personne qui a toujours travaillé pour vous. Jean-Paul, tu as passé 33 jours à t'occuper de ma campagne. Je pense que tu es plus stressé que moi, maman. Je veux te remercier. Je veux te remercier de me laisser un comté que tu as tant aimé, que tu as tant travaillé. Et je pense qu'on doit une bonne main d'applaudissements et plein de remerciements. J'aimerais remercier aussi les deux personnes qui m'ont mis au monde. Donc, mon père et ma mère. Merci beaucoup, Françoise et Germain. Françoise, tu m'as donné le goût de la politique. Un moment donné, je t'en ai voulu, mais ce soir, je t'en remercie beaucoup. Je voudrais remercier ma femme Annie. Merci beaucoup, Annie, d'être à m'écouter, à m'écouter. À ne pas m'écouter. M'écouter, ça, c'est pas vrai. Ceux qui ont voulu m'écouter, c'est pas ça. D'être à mes côtés et de me supporter, merci beaucoup. Merci. Vous savez, ce soir, les citoyens du Québec ont choisi les vraies affaires. L'emploi, l'économie, la santé et l'éducation. Et je suis très fier que les citoyens de Masquinongé aient fait le même choix. Je leur ai promis qu'une seule chose, et je fais la même promesse ce soir. Je vais travailler, travailler et travailler pour la prospérité du comté de Masquinongé sans valeur. D'avoir une petite pensée pour deux personnes. La première personne est Charlot. Nancy est ici ce soir. Charlot, c'est la première campagne depuis, je vous dirais, 50 ans qui ne participe pas. Charlot a eu des ennuis de santé. Nancy, transmets-lui tous nos remerciements. Je suis sûr que son énergie est avec nous. Puis ça va aller, je suis sûr que ça va aller très bien. Et je vais aller le visiter d'ici vendredi sans faute. Un autre pensée qui est pour Mme Martel, qui nous a quittés la semaine dernière. Effectivement, Suzy, tu m'avais dit qu'on avait un ange. Merci beaucoup. Je vous remercie, puis là, c'est le temps de fêter, pas de pleurer, donc amusons-nous. Merci beaucoup.